Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis Ephimrae. Mystis Ephimrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve cette semaine pour un vlog fibresque. Qu'est-ce qu'un vlog fibresque? Je sais pas si je l'ai dit la dernière fois, je suis un petit peu perdue à tourner autant de vidéos là. Un vlog fibresque, c'est une vidéo qui concentre des prises sur plusieurs jours. Donc moi j'essaye de venir vous voir tous les jours. Et pourquoi fibresque? Bah parce que je suis complètement addict au fil et à tout ce qui a un rapport avec la fibre. C'est-à-dire que je file ma laine. Bon, alors là, ça fait un moment que j'ai pas filé, mais voilà, je file ma laine, je la tricote, je peux la carder, je peux la tisser, je couds, je crochette, je travaille le cuir. Enfin voilà, je suis boulimique de loisirs créatifs et donc addict au fil selon mes propres références. Je sais pas comment on dit, c'est moi qui me suis autoproclamée addict au fil. Sinon, je suis une maman de 4 enfants et en parallèle, je suis aussi bibliothécaire et agent en mairie. Voilà, voici pour ma présentation. Si vous voulez retrouver les projets dont je vais parler, même si ils sont à jour sur les dates et sur la quantité de fuites utilisées, mais pas sur les photos parce que j'ai eu un peu la flemme de faire des photos en ce moment. Donc, si vous voulez des renseignements sur mes projets tricot, vous pouvez aller sur Ravelry. Le lien est dans la barre de description. Dans cette barre de description, vous avez aussi le lien des projets que je porte. Toujours sur Ravelry, vous avez aussi les liens de mon Instagram dans la barre de description où je poste des photos de mes projets terminés mais aussi des photos de mes looks d'inspiration cottagecore romantique. Et sinon, qu'est-ce que je mets d'autre? Des liens, vous avez quelques adresses, des choses, des boutiques dont je parle souvent, ce genre de choses, voilà. Désolée pour tous les « e », tous les « en bref », tous les tics de langage que je peux faire. Je ne fais qu'un minimum de montage, histoire de pouvoir vivre à côté de ces vidéos. Parce que bon, entre le boulot, les enfants, le ménage, la cuisine et tout le reste, à un moment, il faut faire des choix. Je passe un maximum de temps, enfin tout le temps que je peux consacrer à mes loisirs créatifs. Et le montage est secondaire, on va dire, dans mes vidéos. D'ailleurs, dites-moi si vous trouvez que pour vous, il y a trop de tics de langage, trop de choses horribles, qu'il faudrait que je fasse un petit effort sur le montage. C'est possible, hein. Dites-moi. Parce que j'ai encore jamais eu personne qui s'était plainte de ça. J'ai eu des compliments sur le son, entre guillemets. C'est-à-dire que j'essaye personnellement de faire en sorte que les musiques et, quand il y en a, et les voix soient à un même niveau sonore pour pas qu'on se retrouve à ce que je fais souvent dans les vidéos YouTube et qui m'horripile. Tellement, il y a de la musique, c'est super fort, donc on baisse, et puis la personne elle commence à parler, et là on l'entend pas parler, donc on monte, voilà. Moi je sais que dans mon logiciel de montage, il y a une toute petite appli qui dit mettre le son au même niveau, et comme ça, normalement, dites-moi si c'est vrai, mais j'ai l'impression, normalement je vous arrache pas les oreilles quand je mets de la musique. Voilà, et vous m'entendez toujours quand je parle. Donc voilà, nous sommes donc en début de semaine, une semaine qui va être bien chargée, semaine de vacances pour les enfants, pas du tout pour moi. Ah oui, je vous ai pas dit, on est mardi et pas lundi. Voilà, hier j'ai eu grave la flemme de venir vous voir. J'ai réussi à enregistrer mon vlogtober, mais la flemme. La flemme pour le vlog, parce que c'est le premier jour, c'est une vidéo qui prend un petit peu de temps. Il y avait du monde à la maison, tout le monde était à la maison, tous les enfants, mon mari... Voilà, et j'étais partie sur de la couture, je vais vous en parler après. Donc, désolée, mais déjà, il vous manque un jour. Voilà, mais maintenant je vais filmer tous les jours, promis. Bon, à part ça, qu'est-ce que je peux vous dire d'intéressant? Oui, on est lundi, du coup lundi, on va fixer les objectifs de la semaine. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié quelque chose, donc on va couper. Alors, le premier projet de la semaine qui va avancer dans tous les cas, et d'ailleurs je vais pas faire un disclaimer, mais je vais expliquer un petit peu ce que j'ai dit... hier, parce que c'est peut-être ça a peut-être mal été compris hier, la semaine, dans le dernier vlog, pardon. Voilà, donc mon premier projet qui va avancer, ça va être mon Quel mystère de Stephen West, que j'adore vraiment, hein. Ne croyez pas que je ne l'aime pas, je l'adore. Et donc j'en suis à au deuxième indice, donc là le troisième est sorti il y a un moment, et là j'en suis donc toujours au deuxième, le troisième est sorti jeudi dernier, et on est mardi, donc vous voyez, et je suis en train de terminer la torsade qui est le reflet de celle-ci, voilà. Mais je prends mon temps, déjà parce que j'ai beaucoup enchaîné les cales mystères là depuis le 1er septembre,
mais vraiment beaucoup. C'est-à-dire que c'est le quatrième, troisième que je fais, enfin, ça fait du taf. Et bah, ça fait beaucoup, pas de charge mentale, mais de dates qu'on se donne. Et je sais, pour avoir sessionné l'année dernière, que les châles mystères de Stephen West, si on veut être à jour, faut vraiment beaucoup tricoter, quoi. Et comme j'ai déjà beaucoup tricoté pour le col de Drey Borrego, que j'adore, je me suis dit, calme-toi, le châle mystère de Stephen West, tu finiras quand tu finiras. Voilà. Et en plus, j'adore vraiment. Mais le problème, c'est que le prochain indice, il allonge le châle dans la longueur, comme ça. Mais quand je dis qu'il l'allonge, c'est-à-dire qu'il rajoute quasiment la moitié, là, toute cette zone-là, de là à là, vous voyez, il le rajoute après. Et je me demande ce que ça va donner, parce que ça va vraiment être très très long. Il est déjà passablement long, je veux dire, il a déjà une taille assez conséquente pour un châle. Pas pour faire trois fois le tour, on est d'accord. Si je le mets comme ça, je peux pas m'en faire trois fois le tour. Donc effectivement, là, il est trop court. Mais si on veut... Oh là là, j'ai ma pelote qui vient de mourir. J'ai des fils partout, c'est l'horreur. Alors, si on veut... comme je l'envisage, vu la beauté du truc, hein, clairement. Je vous montre à l'envers, mais vu la beauté du truc, franchement, je l'envisage tellement en dessus d'épaule, vous voyez. Comme ça. Mais là, du coup, il est un peu court, là. Je le verrai bien un peu plus long. Donc, je veux voir ce que va donner le dernier indice pour voir si, déjà, si je fais l'intégralité du de la rallonge là, ou si j'en fais que la moitié, ou si je, enfin, si je bidouille, quoi. Mais je l'adore et je suis fan du concept, hein, donc il n'y a pas de problème. Mais je veux voir ce que ça va donner avant de vraiment me mettre à jour. Donc, ce que je vais faire là cette semaine, enfin, c'est-à-dire, c'est que je vais finir donc cette petite torsade, hein, il me reste quoi, 5-6 rangs, c'est vraiment léger, hein, et l'i-cord de fin, vous voyez. Et je vais commencer gentiment la petite augmentation qui vient, je sais plus de quel côté, hein, mais bon, voilà. Mais je vais essayer de pas finir un côté tout de suite, je sais pas comment vous dire. Je vais peut-être le mettre en attente et faire l'autre de l'autre côté pour que ce soit bien d'équerre, et je verrai si je finis les deux côtés en même temps. Mais tout ça est hypothétique parce que donc on est mardi, donc le temps que je finisse ça, bah on sera mercredi, ça dépend si j'ai envie de faire autre chose ou quoi que ce soit, donc vous voyez, hein, tout c'est très hypothétique. Je sais que, en tout cas, je vais finir cette torsade normalement ce soir. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce cas. Et que je suis très impatiente d'être jeudi, matin, midi ou quoi que ce soit pour savoir quel sera le modèle final. Ensuite, en tricot, eh bien, je n'ai pas commencé mes chaussettes d'octobre, sachant qu'on est le... Oh, pardon, mon aiguille, on est le 25. J'ai donc 6 jours pour faire une paire de chaussettes, sachant que c'est des chaussettes cadeaux et c'est des chaussettes élastomères en 39. 38 ou 39, je ne sais plus, il faut que je regarde. Donc ça va, c'est des chaussettes qui vont très vite, je vais avoir le temps de les tricoter. Je vais peut-être justement me mettre un petit peu en pause Stephen West pour me faire ces chaussettes, sachant que je peux, en m'y donnant bien, faire une chaussette par jour. Surtout que ce sera la quatrième fois, je crois, que je tricote ces chaussettes, donc au taquet la vie. Voilà. Donc, et c'est dans une laine que j'ai achetée il y a super longtemps. Je l'avais achetée à Nose, et c'était un paquet de 10 de laine à chaussettes. J'en avais utilisé en mélange pour me faire un pull, le secret. Et il m'en reste encore 2 ou 3, je crois, donc voilà. Ça va partir comme ça. Ok. Donc ça, c'était le tricot. En couture, j'ai... Alors, hier, j'ai fait une chemise pour mon mari, qu'il porte en ce moment, donc je ne vais pas pouvoir vous la montrer. Mais c'est exactement la même que celle-ci, que je n'ai pas fermée, qui est une chemise Burda. Très, très simple. Bien coupée. Et que je fais dans la plus petite taille, je crois. Parce qu'elle est déjà très grande. J'essaye de vous la fermer histoire de rendre ça présentable. Déjà, elle est repassée, ce qui est un miracle. Le tissu que j'utilise pour ces chemises est un tissu d'abameblement vendu en... Ouais, elle est repassée, mais vite fait. Hein. Pardon. Qui est vendu au... Donc, normalement, la laisse, c'est 1,40. Et là, du coup, c'est 2,80. Et donc il est aussi, c'est du coton, 100% coton, et il a l'avantage d'être très léger et pas cher. Mon mari a vite chaud,
Et il est comme moi, il veut plutôt mettre des pulls, il n'aime pas trop les chemises longues. Donc je lui fais des chemises courtes, avec la petite popoche que vous devriez voir là. Oui, une petite popoche là. Voilà, et des boutons. Et un col. Voilà, c'est un modèle qui lui convient. C'est donc, j'en ai déjà fait une. J'en avais fait une qui était un test dans ce même tissu. Qui se trouvait. En fait, j'avais pas lavé le tissu avant de faire la chemise. Je l'ai faite, je l'ai lavée et elle a perdu une taille et demie. Donc je voilà. Ensuite, donc j'ai fait celle-ci qu'il porte énormément et hier j'en ai cousu une autre et j'en avais découpé deux. Donc l'idée c'est de coudre la troisième qui est dans un beige assez fin, encore plus fin que celui-ci. Donc ça va être limite transparent, ça va être drôle à voir. Et l'idée, c'est de la finir cette semaine. Voilà. Si j'ai le temps en couture, j'aimerais me coudre le pendant. Enfin, une autre. Alors, c'est la jupe. C'est, je sais plus comment. Une jupe de Dirando que j'aime beaucoup en mode un petit peu western, personnellement. Enfin, je trouve qu'elle a un beau style western qui est très, 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 très longue. C'est-à-dire que si je vous la tends, vous voyez, vous avez l'intégralité de mon bras qui est pris. Elle est très longue. Elle descend jusqu'à mes pieds. Et je voudrais me la faire en velours beige. Ouh, j'ai fait tomber. Donc il faudrait que je la découpe parce que le patron est déjà découpé à la bonne taille vu que celle-ci je le porte. Et voilà, sachant qu'en plus il faudrait que je commence à préparer ma robe de Noël. Oui, il est tôt pour la robe de Noël, mais je vous explique le truc. C'est que je veux me coudre une robe pour enregistrer des vidéos pour la bibliothèque où je travaille. C'est-à-dire un calendrier de l'Avent d'histoire de Noël. Et je trouve ça beaucoup plus rigolo de porter une robe de Noël pour raconter des histoires de Noël. Donc, il faut que je la fasse avant le mois, enfin avant mi-novembre, le temps que je puisse faire les vidéos. Donc l'idée, ça va être d'utiliser ce livre, Coudre Body Positive, et de créer la robe en brose. Alors, celle-ci, avec, vous voyez, j'aime beaucoup les boutons. Mais peut-être si j'arrive, faire ces manches là. Voilà. Et peut-être... Et puis là, la jupe là aussi, j'ai pas envie de rajouter un volant. Donc ça fait beaucoup de modifs pour finalement réussir à faire quelque chose. J'essaie de vous trouver la photo. Voilà. L'idée en fait, c'est de faire celle-ci avec son bouton, mais en moins large. Et de faire ces manches là et puis de rallonger bien là. Voilà. Donc ça fait du bazar, ça fait beaucoup de modifications, surtout pour une robe que je n'ai jamais fait. Mais voilà, c'est l'idée en tout cas. Ouais, j'aimerais bien faire ça. Donc décalquer déjà le patron et regarder si ça rentre dans ma laisse de tissu. Je dois avoir 3 mètres, je crois. Donc on va voir. Voilà. Eh bien écoutez, je vous ai dit pour la couture, donc j'ai remis, comme souvent à l'automne, je descends mes machines à coudre parce que j'ai envie. En général, en automne, j'ai envie de descendre mes machines à coudre. Et au printemps, elles remontent dans ma chambre. Voilà. Donc comme tout est là, je vais essayer de tricoter un petit peu plus. Je me dis, il faudrait que j'arrive à me motiver. La semaine dernière, je vous ai montré mon béret que j'avais terminé. Et que j'avais feutré. Le chien rentre. C'est mieux, mais c'est encore un peu grand. Donc, alors là, je vais prendre mon téléphone parce que j'ai plus son nom, mais je crois que c'est Catherine B. M'a dit qu'elle avait fait un béret un petit peu trop grand et qu'elle l'avait juste mis des élastiques dans les côtes. Et donc je vais essayer aussi de mettre des élastiques à l'intérieur. Alors le chien est tout content, il vient de rentrer de sa balade, donc il veut son bonbon, donc il fait un peu de bruit. Donc parce que, vous voyez, c'est encore vachement lâche, quoi. Vous voyez, là, je peux mettre quasiment ma main pour que ça tienne. Donc un petit élastique ne me tuerait pas. Sinon, je l'ai déjà porté, hein, mais c'est vrai que comme il est très lourd et pas du tout, enfin, bien feutré, il bouge pas. Mais il faut bien que je l'aplatisse parce que mon mari m'a dit qu'il ressemblait à un bonnet rasta. Pas faux. Et j'aime bien le porter sur le côté aussi. Donc là, et sur le côté, bizarrement, il tient mieux, je trouve. Là, c'est à l'écossaise. Hop. Voilà, sur le côté, comme ça, j'aime bien. Mais ça picote un peu. Voilà, en général, je me laisse une oreille, là, vous voyez. Et voilà. Mais un petit élastique me permettrait d'être plus sûre de moi quand je le porte. Donc ce serait, voilà.
Voilà, donc voilà pour les projets. Donc je voudrais faire ça incessamment sous peu, ce serait pas mal. Voilà pour les projets créatifs. Et sinon, aujourd'hui, j'ai été à une ressourcerie. Limite brocante d'une grenier, c'était. Enfin, moi, je connaissais pas ce système, en même temps, je connais très peu de systèmes de ressourcerie, c'est-à-dire qu'ils vendent des. Ils louent des box et les gens mettent en valeur ce qu'ils ont envie de vendre dans ces box. Je trouve ça très intéressant. Et du coup, bah, j'ai trouvé deux petites choses. J'ai déjà trouvé. Alors là, j'étais trop contente. Des lots de boutons. Mais. Plein de boutons, et surtout plein de boutons, les mêmes, parce que souvent dans les lots de boutons, on n'a pas les mêmes. Donc vous voyez, c'était 4 euros là pour tous ces boutons, et en fait, je voyais bien que ceux-là, par exemple, ils pourraient me servir de ma jupe en velours. Et comme j'ai beaucoup de... Bah, pour les chemises de mon mari, là, j'en ai là. Alors là, il y a des turquoises très laids, mais je me dis que je pourrais peut-être les recouvrir pour faire des boutons recouverts. Pourquoi pas ? Là, pareil, les jaunes, c'est assez immonde, mais bon, voilà. Voilà, l'idée, c'était... Enfin, l'avantage, c'est qu'on a, j'ai beaucoup de boutons du même modèle, donc ça, c'est cool. 4, 6, 8, 9, 10... Ouais, souvent, j'en ai au moins une dizaine, donc c'est le problème que j'ai, c'est que je manque un petit peu de boutons pareil. Après, c'est un concept, hein, mais bon. Donc, j'ai pris ces deux boîtes. En tout, vous voyez, je sais pas combien j'ai de boutons, mais... Je pense que j'en ai 50 et j'ai dépensé... Non, j'en ai presque 100, je pense. Et j'ai dépensé 5,20 €. Ça va. Et j'ai aussi trouvé un vieux livre de patchwork. Voilà, je l'ai feuilleté vite fait. Et je me suis dit, chouette. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime, c'est les plaides. Et oh là là, cet appliqué est magnifique. Regarde-moi, c'est... courte pointe, c'est québécois les courtes pointes. Voilà, il y a les motifs, il y a des explications. Voilà, il m'a coûté quoi, 3 euros? Ouais, 3 euros. Je me suis dit 3 euros, soyons fous. Ah, il avait été vendu à Laval. Il y a des patrons, il y a vraiment plein de choses. Donc voilà, je me suis dit pour 3 euros, soyons fous. Et ensuite, je suis passée à ma librairie parce que mon fils est en PLS parce qu'il n'a plus rien à lire. Le deuxième, celui qui a 10 ans. J'y avais acheté un livre. Ah, c'est pas ça, maman, c'est pas la bonne série et puis c'est pas le bon numéro. J'ai failli tuer. Donc je suis allée lui en chercher d'autres. J'espère que ceux-là lui plairont, sinon je suis dans le caca. Et j'en ai choisi pour moi. J'ai pris les mémoires de la forêt. Voilà, vous le voyez bien là. J'en ai beaucoup entendu parler dernièrement. Enfin, depuis quelques mois maintenant, 2-3 mois même. Et j'avais très envie de le lire. C'est vraiment un livre pour enfants. Mais avec des très jolies illustrations. Voilà. Et comme j'ai toujours pas mon livre de coin de Anne de Green Gable, bah, je me suis compensée avec ça. Voilà. Donc ça, je pense que je vais commencer à le lire... Pas trop tard, en même temps j'ai déjà deux livres de bibliothèque plus Anne à lire, donc tant pis. Anne d'Avonlea Shore, je suis en train de lire. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Bon, bah on est sur 20 minutes, en même temps je suis pas venue vous voir hier, alors je pouvais me permettre d'être longue. Bah c'est tout pour nous du coup. On se retrouve demain, je vous montrerai peut-être mon Steven West fini, peut-être mon béret à ma taille. Peut-être une chemise cousue, voilà, qui sait, le monde est plein d'infinies possibilités. Ah si, je voulais vous dire, j'ai reçu un message, c'est la deuxième fois que Christelle de Rêver sa vie en couleur, c'est ça, m'a laissé un petit message et c'est trop gentil, merci Christelle. Du coup je sais que tu me regardes assez souvent maintenant, donc je te dis merci. C'est super d'avoir des commentaires de tout le monde. Mais c'est vrai que quand on a des commentaires de personnes qu'on regarde aussi en vidéo, comme bah, Christelle de Christelle Tricote, laissez tomber, les Christelles dans le game du tricot, là c'est un truc de mal, il y en a partout. Donc Christelle de Rêver sa vie en couleur, il y a Christelle, ah, juste tricot, boubou, un truc comme ça, je sais plus. Enfin, il y a beaucoup de Christelles. Et c'est vrai que, ouais, avoir des personnes qu'on regarde qui nous parlent, bah, on a l'impression de les connaître.
nous, en les regardant, et le fait qu'elles nous connaissent en nous regardant aussi, et ben, ça fait un sentiment assez étrange, et c'est très rigolo. Donc voilà, c'est super cool. Merci, merci beaucoup Christelle et tout le monde. Merci de me regarder, c'est adorable. Merci de laisser des commentaires. C'est le moment où je peux vous dire peut-être de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Imaginez, mettre la petite cloche pour avoir mes nouvelles vidéos, ce genre de choses. Et sinon, ben, n'hésitez pas aussi à aller voir mon Instagram qui est le parent pauvre de YouTube. Je suis pas souvent dessus. Faut dire qu'Instagram, j'ai facilement l'habitude de l'oublier pendant une semaine ou deux. Puis un jour, pop, une photo qui pop. Mais voilà, je suis moins Instagram, même si j'essaye de faire des efforts. Bon, ben voilà, nous on se retrouve demain dans tous les cas. Et en attendant, ben, c'est l'heure du thé, du goûter. Et qu'est-ce que je voulais faire là? Je ne sais plus. Voilà. Coucou, je vous retrouve, on est mercredi, je vous retrouve sur un fond à peu près neutre avec une lumière à peu près potable, profitez. Donc on est mercredi, j'ai 3 enfants à la maison, la grande elle est partie à un anniversaire hier soir, elle rentre cet après-midi, et monsieur travaille. Voilà, c'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui, et en plus j'ai plein de trucs à vous montrer, ouais. On est content, hein. Alors, déjà... Je vous ai dit hier que je voulais mettre des élastiques sur ce joli béret et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait de ranger les élastiques. Donc vous voyez, j'ai dû gagner en fermeture. Je crois qu'il était à peu près là en fermeture. J'ai dû gagner 2 cm de diamètre. Non, de rayon. Donc 4 cm de diamètre en. Enfin. Je sais pas si c'est très clair. Diamètre, périmètre, tout ça, je sais plus trop. Mais rayon, je me rappelle. Donc, ouais. 2 cm de rayon, je pense que, ouais, facile. Je vous montre comment j'ai fait. Donc j'ai pris un fil élastique que j'ai passé d'abord au niveau du début des côtes, on l'entreaperçoit, et ensuite toujours le même fil hein, sur le, bah, la fin des côtes, c'est le contraire, enfin vous me comprenez quoi. C'est que maintenant il tient à ma tête, mais il a encore une forme un peu chelou. Ah, c'est pas mal comme ça. Non, il faudrait que ce soit ma photo de pro, de... pas de profil, mais de... La vignette, ce serait cool. Du coup, ouais, il est bien serré. Hop, surtout que normalement je le mets plus haut. Voilà, et là je rebique. Bon, là c'est mon chignon qui. Enfin, mon chignon, c'est vite dit hein, que c'est un chignon. Voilà, donc là vous voyez, il fait une forme un peu chelou. Je pense qu'il faudrait envisager de le rebloquer maintenant qu'il a un concept un petit peu plus sympa. Voilà. Je sais pas ce que je vous montre. Hein. Vous voyez, il fait des petits rebiquages un peu partout. Je pense qu'un blocage lui ferait du bien. Mais au moins, il tient à ma tête. Je peux faire ça sans avoir l'impression qu'il va tomber. Et puis, moi, ce que j'aime bien faire, c'est le porter à la française. Voilà, j'aime bien comme ça. Ça habille. Donc voilà, encore des petits ajustements, mais on est beaucoup mieux. On est beaucoup, beaucoup mieux. Je trouve. Voilà. Sinon, je vous ai dit aussi que je voulais finir ma torsade. Je sais plus laquelle c'est. J'ai réussi. Je sais vraiment plus laquelle c'est par contre. Donc je vous montre que j'en ai 2, c'est tout. J'ai fini la corde hier soir. J'ai pris mon temps. Voilà. Je suis toujours aussi fan. Hein. J'adore. Du coup, lundi sera là demain. Je ne sais pas si je tricoterai les chaussettes ce soir. Là, clairement, j'ai pas tricoté depuis ça, qui était hier soir avant d'aller me coucher. Parce que j'ai fait autre chose. Voilà. Ce matin, j'ai cousu la chemise de mon mari. Alors, elle était prédécoupée et j'avais déjà surfilé les parties surfilables. C'est-à-dire, là, oui. Et comme c'est la quatrième que je fais, je sais quelles sont les parties qu'il faut surfiler et celles qu'il n'est pas nécessaire de surfiler. Je vous en reparle parce que je ne vous avais pas montré le patron que c'était, moi. Alors, on va. C'est le 6349 de Murda Style, peu moyen. Un moyen. Alors, ça doit être très très facile, facile, moyen et dur, du coup. On est d'accord que Burda devrait vraiment faire des efforts sur ses choix de tissus, hein, parce que ça donne pas envie, clairement. Mais le dessin technique donne déjà beaucoup plus envie. Et moi je fais celle-ci. Je fais des ajustements sur cette chemise. Par
rapport à ce que j'aime. C'est-à-dire que j'aime bien quand les chemises de mon mari, le rebord est extérieur. Donc c'est ce que je fais. Et pareil pour la boutonnière, je préfère quand elle est extérieure. Je trouve ça plus joli, ça apporte quelque chose. Voilà. Sinon tout le reste, je fais comme ils disent, ça marche. Ça marche, sauf les coutures à la main que je ne fais pas. Et comment ils disent ? C'est pas à monter, c'est... Vous savez, les coutures avant de faire la couture définitive, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai un trou. Voilà, donc voilà une chemise encore terminée avec des boutonnières. Parce que moi, je ne considère pas qu'une chemise est terminée tant qu'elle n'a pas ses boutonnières. Voilà, hop, je vous en fais une parce que... Et ses boutons aussi, hein. Voilà. Quand c'est fini, c'est qu'il peut la mettre. Donc vous voyez, je viens de la repasser, elle est déjà froissée. C'est le tissu qui veut ça. Mon mari s'en fiche. En même temps, d'habitude, il prend ses chemises et il les repasse pas du tout. Donc à la limite, si c'est un peu froissouillé, ça ne le dérange pas. Voilà. On a toujours 7 boutons, parce que monsieur n'est pas très grand. Et voilà, j'ai juste une toute petite peur, c'est qu'elle soit un peu trop transparente. Et que du coup, on voit le torse velu de mon mari. Oui, je l'ai dit. Voilà. Parce que quand je repassais, clairement, je voyais très très bien le dessous de la table à repasser. Mais... voilà une chemise. Donc ça lui en fait 3. Pour l'instant, j'ai fait une pause des chemises. J'ai encore dans ce tissu-là la possibilité d'en faire une autre. Mais je veux d'abord qu'il l'essaye, qu'il la porte un petit peu, voir si c'est trop transparent ou pas. Je n'ai pas encore découpé ma jupe, à un moment faut se calmer. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui du coup. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc en tricot, la prochaine chose à faire c'est monter les chaussettes. Et en attendant demain l'indice, je verrai bien ce qu'on fait. Peut-être bloquer mon béret, je verrai si j'ai la motivation. Et en couture, découper ma jupe pour ensuite pouvoir la faire. Mais il faut que je regarde d'abord si j'ai du fil pour la coudre, parce que sinon ça ne sert à rien. Voilà. Dernière chose, hier soir, Ludivine a posté un épisode de vlog spécial, c'est-à-dire qu'elle a une amie qui est malade et elle lui a envoyé plein de courage par cet épisode de vlog. Et elle nous a demandé de commenter aussi et d'envoyer plein de courage à son amie Belle. Et elle nous disait que si on avait envie, vous pouvez aussi faire avec elle une brioche. Donc hier soir à 10h30, j'avais pas très envie de faire une brioche, mais voilà, pour soutenir Belle, j'ai fait une brioche ce matin. Elle est au four et ce sera le goûter des enfants de cet après-midi, parce que moi je suis au travail. Voilà, c'était juste pour faire un petit coucou, je la posterai sûrement sur Insta et voilà, bon courage à Belle, bon, je suis sûre à 99% qu'elle ne me regarde pas, tout comme Ludivine, mais en tout cas, j'ai pensé à elle et je lui ai envoyé plein de bonnes ondes. C'est tout pour nous, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là et puis on va se retrouver demain, on verra bien ce que j'ai réussi à faire d'ici demain. Je sais pas trop franchement, mais on verra.
retrouvant ce jeudi. C'est pas du tout l'horaire que j'ai habituellement. Il est presque 18h. Mais je suis dans mon décor. Et pourquoi? Parce que la mamie la plus gentille du monde a pris les 4 enfants en même temps et les a amenés chez elle. Donc je n'ai pas d'enfants pour au moins 2 jours. Ça c'est un vrai bonheur. Non, je rigole. En plus ils sont pas embêtants en ce moment. Mais c'est vrai que voilà, on va se retrouver à deux avec mon chéri, ça va nous faire un petit peu de bien. Et en plus j'ai plein de trucs à vous dire si c'est pas trop cool. Bon, petit point sur ce que j'ai fait. Je vous avais dit que j'allais pas faire grand chose. De fait, hier soir, qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Quand je suis rentrée du travail, j'étais lessivée. Je vous ai mis d'ailleurs des petites images de l'animation Harry Potter à la bibliothèque. Donc du coup, j'ai organisé une animation Harry Potter à la bibliothèque pour Halloween. J'avais réservé une boîte d'animation auprès de mes collègues. Et c'était un énorme pop-up du château de Poudlard que je vous ai montré du coup. J'avais emprunté à une amie de ma fille le choix-pot. Et du coup, j'ai mis ça en place. Et le château de Poudlard, je l'avais ouvert la semaine dernière pour qu'il soit bien plat. Voilà, le premier jour, il était un peu pas très plat. Donc j'avais mis ça au milieu de la bibliothèque. Ensuite, j'ai lu des histoires qui font peur, des livres pop-up. Donc si vous savez pas, les livres pop-up, c'est ce que vous avez vu, c'est les livres dont des choses sortent du livre, en fait. C'est pour ça qu'on dit pop-up, parce que ça pop et hop. Ouh, je suis en forme. Du coup, ben voilà, j'aurais lu 3 histoires. Et puis en fait, comme on avait eu énormément d'inscrits, cette animation a fait un carton. On a eu 15 enfants et un qui était malade. Donc en tout, on aurait pu avoir 16 enfants, mais on n'avait pas assez de place pour les gérer. Donc tant mieux. Et donc avec ces 15 enfants, on a créé 2 groupes. Un premier, donc il y avait des bénévoles qui géraient l'animation, qui était une fabrication de baguettes magiques. Donc on avait des bouts de bois qu'on appelle des tourillons, que mon mari avait découpé de 30 cm de longueur je crois, et puis il avait donné un simili de forme de baguette, vous savez, un peu plus large en bas, un peu plus effilé en haut. Et l'idée c'était avec un pistolet à colle de faire tout autour. Bah des formes, on pouvait faire un manche aussi. Ah bah j'avais ramené chez moi ce qui n'avait pas été utilisé. Donc voici la baguette préparée par mon mari. Donc il avait poli le bout là. Et là vous voyez, c'est en pointe. Voilà. Il avait acheté des tourillons d'un mètre, on en avait je sais pas combien et voilà. Ensuite, on faisait donc des formes avec le pistolet à colle. Là vous voyez bien. On pouvait faire des petits points, des machins, voilà. Et ensuite, c'était peinture. Alors là, c'est des vieux. En fait, ceux-là, je les avais fait à l'anniversaire de ma fille. Il y a de cela fort longtemps. Elle a eu quoi, 13 ans? Ça devait être pour ses 8 ans, un truc comme ça. Ouais, ça fait bien 5 ans. Donc, pas si dégueulasse pour un truc qui a 5 ans et avec lequel les enfants jouent encore. Hein. Donc, vous voyez, on avait fait des petits manches. Ou pas, un petit bout là. Elles n'étaient pas aussi belles que celles de mon mari, elles étaient toutes droites. Ça c'était la mienne, vous voyez, je l'avais peinte en vert et il y avait des croisements tout autour. Et avec un joli manche. Voilà, donc la peinture sur la colle, c'est pas ouf, mais bon, ça donne son effet. Ils étaient ravis, ils sont tous repartis avec leur baguette de sorcier, pas sèche, mais ils étaient très contents. Ils ont mis un petit goûter, c'était génial, voilà. Mais par contre, c'était épuisant. Enfin, 14 gamins, 15 gamins qui sont très en forme. Hein. Ça allait de 3 ans à 11 ans. Donc c'était très, voilà, très très... Enfin, c'était super. Franchement, ils ont apprécié. C'est génial de proposer des animations et que les gens viennent, en fait. Enfin, les enfants surtout. Donc voilà. Donc hier soir, je suis rentrée HS à la maison. J'ai fait quoi? Des croque-monsieur, je crois. Hein. On se prend pas la tête. J'ai mon petit thé. Ah, Christelle! Coucou Christelle, pardon, petit intermède. J'ai monté Christelle et je vais le boire. Et je n'ai jamais renversé de thé en vlog. Donc je te mets un petit défi. Hein. En plus toi, non, le problème c'est que toi t'enregistres au niveau de ton ordinateur. Un jour où t'enregistres pas à côté de ton ordinateur, je te passe le défi de boire un petit thé avec nous, ok? Voilà, excusez-moi.
C'était un intermède pour Christelle Tricotte. Allez voir ses vidéos. Elle a un nouveau mug super joli. J'adore son, comment on dit, son logo. Et elle a fait un tote bag et un mug comme ça. Je vais peut-être lui acheter ou me les faire offrir par Noël, tiens, avec un petit écheveau. Ça se négocie avec monsieur, ça. Bon, alors, sortie de ça, donc hier, voilà, j'ai fait à manger et ensuite je suis allée me coucher, voilà, et j'ai lu Anne, parce que rien de tel que lire Anne d'Avonlea pour bien décompresser de sa journée et faire de beaux rêves, chose que j'ai fait pendant 8 heures d'affilée sans réveil. Oh, ça fait du bien. Donc, vous imaginez bien qu'un point de vue créatif, c'est pas ouf. Mais j'ai quand même quelque chose à vous montrer. C'est pas extraordinaire, mais ça a le mérite d'exister. Ce qui est déjà pas mal. J'ai quand même monté les chaussettes d'octobre. Il serait temps, je suis d'accord. Mais elles sont montées. Alors, que demande le peuple? Donc, je vous le dis, ça va être les chaussettes élastomères. C'est un cadeau pour ma sœur, pour Noël. Chaussettes élastomères en 38-39. Voilà. Alors, je le fais... Donc le patron, j'utiliserai pour le talon, parce que c'est un talon renforcé en partant du bas et c'est pas, j'ai pas encore, je connais pas encore par cœur. Et ensuite pour les rangs raccourcis, pour faire la petite vague derrière, où là aussi j'aurai besoin de la notice, parce qu'il y a aussi des rangs raccourcis à un certain niveau. Mais sinon monter une chaussette, enfin jusqu'au talon, c'est une chaussette à la vanille toute bête, donc on déroule. C'est une laine, je ne sais pas d'où. Enfin, si, je sais d'où, mais c'est pas une marque française, elle venait de chez Noz. Et c'était. Vous avez dû racheter ça dans un autre pays, c'était pas écrit en français. Voilà. Mais c'est. J'avais 10 pelotes, j'ai déjà dit, je crois. Et du coup, je les écoule petit à petit, en général en cadeau. Ensuite, je vous reparle vite fait du châle de Steven West. Donc, le quatrième indice est sorti aujourd'hui. Et il confirme mes. Frayeurs. Voilà, mes frayeurs. C'est-à-dire que donc le troisième indice augmentait drastiquement, genre, ouais, il devait gagner ça en longueur, je pense, de chaque côté. Et il va pas gagner énormément en longueur après le quatrième indice. Et je suis pas fan de ce qu'il a fait pour augmenter la longueur. Donc comme je m'y étais préparée psychologiquement, je vais moi-même... faire des improvements. Donc je ne sais pas, je vais regarder avec les châles, pardon, que j'ai, mais je trouve que cette forme là est tellement belle que je trouve ça vraiment dommage, ouais, de lui rajouter, vous voyez, deux fois la taille, quoi. C'est pas comme ça que j'envisage de le porter, enfin c'est comme ça, c'est... Comment je me suis mis là? C'est comme ça, là, maintenant, tout de suite, que j'envisage de le porter. Mais derrière, c'est trop court. Donc, je vais faire en sorte que derrière, ce sera moins court. Je peux vous expliquer ce que je vais faire. C'est-à-dire que là, je vais faire des côtes. Les mêmes côtes que là. Hop, d'ailleurs, je vais les faire en rouge parce que j'ai envie. Voilà. Et ensuite... Sur toute la longueur, en fait l'idée, voilà. L'idée c'est de faire des côtes qui aillent jusqu'à là, pour réguler le truc, et ensuite je ferai, je pense, de la brioche, tout le long, enfin pas tout le long, pendant un certain nombre de... pas long, hein. Enfin, je dis tout le long et après pas long, ça veut rien dire. L'idée c'est que je vais faire de la brioche, donc là ça va revenir... à peu près comme ça, j'ai pas envie que ça se détende plus, donc vous voyez, je vais faire des côtes jusqu'à là, à chaque endroit, donc je pense que je vais avoir beaucoup de fil à rentrer. Ensuite brioche, donc ça rendra un truc plus droit, tout comme là. Sur toute la longueur là, je vais me faire une dizaine de centimètres de brioche. Et ensuite, je ferai une bordure à partir de l'indice... C'était le combien? 3. Voilà, parce que j'ai bien aimé ce motif. Voilà, donc je reprendrai l'indice 3. Je sais pas avec couleur... Ah si, alors la brioche, elle sera... elle sera comme ça, de ces deux couleurs-là. Et je ferai en contrastant à la fin, donc en couleur étroite, là, celui-ci, le motif de l'indice 3.
Voilà, et donc il devra de ce fait grandir en largeur et pas tellement en longueur. Un petit peu en longueur parce que je vais garder cette forme là. Là je vais faire un rabattage en i-cord. Et voilà. Ce qui fera donc un châle à épaules. Voilà, un châle à épaules comme ça, parce que je trouve que cette forme est topissime. Et je verrai si je ferai pas aussi le même. Là je pourrais peut-être rajouter l'indice 3 aussi sur la longueur comme ça. Toujours en rabattant en même temps. Je sais pas comment je me débrouillerai, je trouverai bien. Voilà, et ça fera donc l'indice 3 tout le long. Voilà, donc c'est l'idée. Je sais pas trop si je vais m'y mettre tout de suite ou pas. Je vais déjà faire mes chaussettes hein, d'octobre, parce que les chaussettes d'octobre, en décembre, ça marche plus. Voilà. Vous me direz si vous trouvez mon idée bonne. Et je n'ai rien contre le châle de Steven West, hein, je suis juste un tout petit peu moins fan du dernier indice, personnellement. Et de la forme finale qui n'est pas celle que j'ai envie de tricoter en ce moment. Je sais pas si c'est clair. Mais par contre, je suis très étonnée. J'ai vu aujourd'hui, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient le dernier indice pour décider de défaire le châle ou pas. Et aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient qu'ils défaisaient justement leur châle. Donc je sais pas, enfin j'avais pas l'impression l'année dernière d'avoir vu ça. Il y en a certains qui disaient que le dernier indice n'était pas ouf et qu'ils avaient décidé un autre rabattage. Mais sorti de là, moi j'aime bien, en tout cas. En tout cas, j'aime bien tout ce qui a été fait et je trouve pas l'indice, le dernier indice laid, c'est juste que j'ai pas envie d'avoir un châle qui fasse mon envergure, mais plutôt un truc un peu plus long. Voilà. Dans l'idée du style que j'aime en ce moment. C'est tout, hein. Il n'y a pas de. Sinon, aujourd'hui, j'ai fait un petit achat sur la boutique de Ludivine Rose, Rose et Madeleine. Je la suis sur Patreon et jusqu'au 31 octobre minuit, elle nous offre une réduction, pardon, sur ses patrons. Et j'ai craqué sur sa poupée Maya, parce que bah, Maya, le concept de Maya, c'est que à chaque saison, Ludivine va nous proposer de nouvelles tenues pour Maya, qui seront achetables aussi sur sa boutique Etsy. Et du coup, ben, j'ai craqué parce que c'est mignon. Maya, elle est toute mignonne. Donc j'ai envie de me faire une petite poupée. Et alors donc j'ai pris ce patron qui ne vaut pas. Enfin, le prix du patron, ben, surtout avec la réduction, ne vaut pas le travail de Ludivine, clairement. Parce que. Déjà, rien que le travail de scénographie est absolument magnifique, hein, vous êtes d'accord. Mais d'autant que le patron fait une cinquantaine de pages. Alors la poupée en elle-même doit faire presque 30 pages. Et ensuite, elle nous offre sa tenue, qui fait elle aussi une vingtaine de pages. Donc en tout, j'ai presque. Enfin, je sais que j'ai imprimé une cinquantaine de pages. Je trouve ça complètement incrédible. Et c'est fou quoi, les patrons de couture font pas autant de pages et sont bien plus chers. Bon après il y a différents gradages. Différentes gradations c'est mieux. Oh pardon. Mais voilà, je trouve ça complètement incroyable. Et sinon je voulais aussi vous parler d'un futur projet couture que j'ai trouvé toujours sur Etsy. J'en suis mais plus que dingue. Je cherchais des robes d'inspiration. En fait, on va reprendre du début. J'adore ce que font certaines boutiques de vêtements, surtout en lin, qui sont plutôt axées sur les vêtements romantiques, un peu cottagecore. Sauf que la robe à 250 €, je ne peux pas me l'offrir, même pour un anniversaire. Là, c'est pas possible. Donc ce que j'ai fait, c'est que je cherchais des patrons qui pouvaient m'aider. Donc le livre que je vous ai montré, je crois lundi, j'ai dû vous le montrer. Je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, je vous l'ai montré, vous vous en rappelez. Hein. Et bien dedans, on y trouve des modèles, mais il y a un modèle de robe que je ne trouvais pas. Et nulle part, j'avais beau regarder sur Burda, sur d'autres marques de patrons, et je ne trouvais pas, ça m'insupportait.
Et donc, je cherchais encore et je suis tombée sur Etsy. Et je vais essayer de vous la retrouver. Et je suis fan et archi fan. Alors, le patron coûte une dizaine, 12 euros. Mais c'est un patron de vêtements, donc ça me choque pas. Le tuto est topissime. Il y a des photos, il y a des vidéos pour montrer comment découper, c'est magnifique. Et voici donc la robe que je souhaite me faire. Alors, je sais pas si vous... Non, mais regarde pas moi, regarde le téléphone. Bon, ça, là, ça fait un peu fantôme parce qu'elle est très blanche, mais... Je sais pas si c'est ça, attendez. Pas facile de vous la montrer, mais j'ai pas imprimé le livret explicatif parce que lui aussi il fait 50 pages. Donc non. Mais il y a des vidéos, il y a plein de choses. Donc c'est de la marque Pattern Studio. C'est un... la Victorian Dress et c'est un patron de PDF à 12 euros. Je l'ai imprimé sur du A3, ce qui diminue, enfin ce qui diminue de deux fois. J'ai un peu de mal à parler aujourd'hui. Le temps passé à la coller, hein. Donc elle est déjà prête à être décalquée. Et voilà, par contre je trouve que ses manches ont l'air excessivement grandes, mais sur le patron je les trouve excessivement petites. Alors il va falloir que je mesure tout ça. Mais voilà, c'est top. Je suis très très contente d'avoir trouvé cette robe. Et j'avais un coupon de lin de chez Ziga que j'avais acheté cet été, donc il est bleu, donc plus trop les coloris de du moment, mais c'est pas grave. Et il faut 3 mètres pour faire cette robe, donc top, il n'y a pas tant de pièces que ça, ça n'a pas l'air si compliqué. Il faut par contre un zip invisible que je n'ai pas, mais j'irai en acheter, c'est pas un problème. Donc voilà, ça va bientôt sauter sur ma machine, dans ma machine, je ne sais pas comment dire. Maya, pas tout de suite, je suis très contente de l'avoir, mais je ne vais pas la faire tout de suite. Et donc j'ai ma robe de Noël aussi à faire. Voilà, donc deux robes, deux superbes robes romantiques à coudre, je suis ravie. Voilà, je sais pas depuis combien de temps je papote, mais ça fait un bail. Donc je vais vous laisser, et puis voilà. On se retrouve demain, on est quel jour demain? Vendredi, oui, on se retrouve demain. On verra bien ce que j'ai réussi à faire d'ici là, mais on se retrouve demain. Et coucou, on est dimanche et c'est le drame, il est super tard dehors, il fait nuit et j'ai même pas trop de trucs à vous montrer, donc je pense que je sais pas quand je vais publier, peut-être aujourd'hui si je suis motivée, mais j'ai encore le Vlogtober à faire et sinon ce sera demain. C'est vrai que j'ai pas grand chose à vous montrer. Aujourd'hui on a été à une fête de la courge, c'était super sympa et accessoirement on a été chercher nos enfants. Mais du coup, ben, puis j'ai pas dégainé le téléphone parce que j'étais avec une collègue et dans le cadre un petit peu du boulot parce que c'était dans la commune où je travaille. Donc c'est vrai que j'ai pas des masses de trucs à vous montrer. Hier j'étais au fond du trou, j'étais épuisée, j'ai très mal dormi et j'ai pas fait grand chose, j'étais pas à la maison non plus. Donc c'était un petit peu compliqué de filmer et là je vais beaucoup mieux, mais du coup il est tard et j'ai pas grand chose à vous montrer. Mais je pense que je vais quand même mettre le vlog ce soir parce que comme ça me permettra de démarrer normalement demain. Voilà. On se retrouve, non vous avez pas vu, on se retrouve, j'ai créé un nouveau spot dans ma chambre parce que les enfants. Parce que c'est les vacances, qu'il y a les enfants. Et que du coup j'aimais pas filmer debout et j'aimais pas, ouais, j'en avais marre de filmer debout, j'en avais marre de pas avoir d'endroit entre guillemets sympa pour venir parler avec vous en dehors de ma salle à manger où clairement c'est galère. Quand il y a les enfants c'est galère et quand il y a personne ça va, mais quand il y a les enfants... Donc voilà, je me suis créé ça. Ici vous avez une robe que j'ai créée, que j'ai cousue cet été, que j'aime beaucoup, sur un petit buste. Je trouve que ça habille la chambre. Et là il y a du bazar, mais vous voyez pas normalement. Voilà. Bon alors j'ai 3 choses à vous montrer, ce qui n'est pas si mal en soi. Oui j'ai tout. Déjà,
Je crois vous avoir montré mes chaussettes. J'avais dit que je voulais les finir pour le 31. Je suis pas convaincue que je vais réussir à les finir pour le 31, mais j'en ai au moins fait une. Je suis pas super contente de moi, parce que j'ai fait nawak. J'ai fait nawak. Donc jusqu'à là, pas de problème. Mais comme j'avais pas mis de début de rang, bah c'est pas ouf en fait. C'est pas ouf parce que là par exemple, on voit bien que normalement c'est censé se rejoindre et en fait pas du tout. Parce qu'en fait, au lieu d'avoir 30 mailles là devant, j'en ai que 28, donc j'ai bidouillé. J'ai quand même bien réussi à faire un talon renforcé, excusez-moi. Et c'est pareil, là, je sais pas ce que j'ai glandé, mais c'est pas parallèle. C'est pas du tout parallèle. Vous voyez, il y a un côté plus... Bon, en vrai, ça se voit pas. Et ça se voit pas. Et à la couture, pareil, j'ai pas géré. Ça, pareil, hein, elle reste élastique, on peut la porter sans problème, mais c'est pas aussi bien réussi que d'habitude. Voilà. Donc il faut que j'entame la deuxième, mais... Donc je vous ai dit, hier, c'était pas ouf. C'était pas ouf, ma forme. Et j'ai décidé d'entamer un nouveau projet. Parce que j'avais que 6 projets sur Ravelry en cours. C'est n'importe quoi. Enfin, 7 avec celui-là, je pense. Donc, je crois vous avoir parlé du fait que j'avais un nouveau test pour Audrey qui allait débuter. Je vous avais sûrement montré mes laines aussi. J'ai cette petite beauté dont vous voyez parfaitement, elle est peut-être un peu trop bleue, elle tend un peu vers le vert normalement, mais on n'est pas trop mal. Donc cette petite beauté de Big Bad Yarns, les laines d'Imogène, qui est, je sais plus, c'est du Merino d'Arles, non Superwash, c'est un plaisir à tricoter, oh, je le kiffe sur kiff et sur kiff. En plus elle est un peu épaisse pour de la fingering personnellement je trouve et c'est parfait parce que en parallèle j'utilise, c'est un jacquard donc en parallèle pour ce jacquard j'utilise une laine que j'ai filée moi-même sur du rambouillet qui est une laine qui a tendance à gonfler et j'ai 300 mètres et quelques donc on est plus sur une longueur de sport mais si on regarde les deux fils l'un à côté de l'autre on est pas mal. Attendez, j'essaye de faire quelque chose de cohérent. Vous voyez ? Je trouve qu'on est pas mal. Donc effectivement, cette laine-là est un petit peu épaisse pour être considérée comme de la fingering. Mais celle-ci aussi, comme c'est du Merino non superwash et d'Arles, bah mine de rien, on se retrouve finalement sur des fils qui sont assez identiques. Et alors, je sais pas si je vous ai montré, là c'est pas beau, mais vous voyez ce... C'était un coloris que j'avais teint moi-même, puis filé moi-même, qui s'appelle Bracelet Chakra. Où j'avais les 7 couleurs qui étaient censées représenter les pierres de chakra et les zones de chakra. Et ensuite, je les avais filées en fractal. Donc, on voit bien, on voit très très bien là sur le orange. Et aussi ici, fais le point. On voit bien l'idée du fractal en fait. Et donc ça, ce sera bah, le jacquard. Du coup, je sais pas, je crois, je suis pas certaine que Audrey l'ait montré, donc je vais pas forcément vous le montrer, mais je vais vous le montrer en train de le tricoter. Donc je l'ai monté, tout ça pour dire que je l'ai monté, je peux vous monter. Oh là, c'est le bazar. Ouh, c'est pas beau. J'en suis au jacquard, sauf que j'ai fait une bêtise, ça m'énerve. Bon, montage élastique, beaucoup de côte torse, 5 cm de côte torse, mais j'ai passé la tête, elle passe. Ça va. Et ensuite on a notre ami le rang raccourci hein, pour faire une belle forme et ensuite je rajouterai aussi le rang raccourci ici là qui est le rang raccourci de pince poitrine voilà donc enfin c'est un magnifique, j'adore le tricoter vraiment, je suis très contente et donc j'ai fait une bêtise, c'est à dire qu'il y a 2 diagrammes pour le jacquard. Un pour ma taille et un pour les tailles plus grandes. Et la cocotte, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pas fait le bon diagramme. Voilà, je suis trop dégoûtée. Donc bah, je vais défaire juste le... J'avais juste fait le premier rang de diagramme et j'allais entamer le jacquard en fait. Et bah non. Donc je vais défaire ce rang-là, le refaire bien,
en suivant les augmentations comme Audrey dit, et puis ça va bien se passer. Pour l'instant, j'ai eu aucun problème. Voilà. Et tiens, j'ai checké un petit peu mon échantillon, mais je trouve que l'échantillon est parfait là. C'est pas trop serré, mais on voit pas derrière, et c'est vraiment... Je pense que ce sera un bon pull. L'idée, c'est d'en faire mon pull de Noël un peu. Mais portable tout le temps. Voilà, donc en tricot, c'est tout. J'ai pas rattaqué Steven West, faut dire que ce pull-là utilise les mêmes aiguilles que Steven West, donc je pense qu'il va être prioritaire parce que je le préfère. Enfin, c'est pas que je le préfère parce que j'adore mon Steven West, mais Steven West va me demander plus de réflexion. Et voilà. Donc voilà. Et je voulais vous parler, je vous ai dit vite fait, c'était quand que j'ai acheté ce livre? Mercredi? Mardi? Je suis désolée si vous entendez mon fils hurler. Je pense que personne ne va s'en occuper si je vais pas hurler moi-même, et c'est pas l'idée. Donc je vais continuer à vous parler, et tant pis si vous entendez des cris d'enfants qu'on égorge, je vous jure, il ressortira vivant de cette histoire. Donc, je vous ai parlé des Mémoires de la forêt quand je l'ai acheté. C'est un livre enfant qui est aux éditions de l'école des loisirs, donc enfant, hein, et qui est absolument magnifique. Je l'ai acheté clairement en mode mouton, puisque j'ai même pas lu le résumé, j'ai juste vu que tout le monde disait que c'était trop bien. Donc je me suis dit, allez, allons-y. Il coûte combien? 15 euros, enfin 14,50 €. Et il est juste absolument magnifique. Me regarde pas, regarde le livre. Voilà. Il est juste magnifique. Ah si, je peux vous montrer. Voilà, la carte. La carte de la forêt. Voilà, les aquarelles sont magnifiques. Il est écrit par Michael Brun Arnaud et illustré par Sanori. Donc j'en suis pas à la moitié, mais vraiment pas très loin de la moitié. Je l'ai commencé vendredi, je crois. Ouais, j'ai dû commencer vite fait vendredi. Et je l'ai lu, voilà, hier soir, un petit peu ce matin. J'ai pas mal lu ce matin parce que changement d'heure égale Pauline se réveille à la même heure que d'habitude, sauf qu'il est 6h du matin. Donc je suis allée lire tranquillou en laissant mon mari dormir, parce que lui il dort 12h d'affilée, mais moi je peux pas. Et du coup j'ai pris mon livre et je l'ai lu un petit peu en attendant que la maison se réveille, je dirais. Donc vachement bien, j'aime beaucoup, j'ai choisi, là j'ai vraiment fait le choix de mon marque-page qui est un marque-page du Prince au Petit Pois. Bon, c'est plus la bonne adresse de shop, mais je trouve ça sympa de lire les Mémoires de la forêt en ayant comme carte les chapeaux de la forêt. D'autant que lui là, la petite taupe, elle porte sur le dos une coquille de noix qui est là, c'est rigolo. Voilà, ça m'a fait rigoler. Et alors donc, tout ça pour dire, outre que c'est absolument magnifique, hein, on est d'accord, c'est que c'est d'une poésie. C'est donc un livre qui peut être lu parfaitement par les enfants, je dirais en CE2, CM1, pas de problème. Mais alors, pour un adulte, ça fait résonner tellement de choses. C'est... J'en frissonne encore en fait. Là, ce matin, j'ai pleuré en le lisant, clairement. J'étais en train de pleurer. Bon, alors je vous dis des... Ah, je crois que quelqu'un s'occupe de l'enfant qui hurle. Je vous dis... Non, j'étais en train de vous dire, je vous dis des trucs super beaux et l'autre, il est en train d'hurler à la porte. Là, c'est insupportable. Bon. Non, oui, ce matin, j'étais en train de pleurer. En fait, le héros qui est le renard, qui est un libraire... Et quelqu'un de très gentil à demeurant, hein, qui adore son travail et qui est très gentil. Et un de ses amis, c'est cette petite taupe. Sauf que cette petite taupe est très très vieille et qu'elle est touchée d'un mal. Comment ils appellent ça? Est-ce qu'ils le disent? Non. Il a une maladie. Une maladie terrible qui fait qu'il oublie. Il oublie affreux, il oublie tout. Et on peut tout à fait transposer cette maladie à une maladie existante dans notre monde à nous, parce que nous ne sommes pas des animaux à poil, pas si, mais pas autant que ça. Et du coup c'est assez terrible. Et là je suis arrivée, il rencontre un autre animal qui a aussi un petit problème de concentration, qui doit avoir ses vêtements marqués parce qu'il a tendance à, quand il est concentré, à les lâcher un peu n'importe où. Et je trouve que c'est aussi une autre référence à un autre mal assez fréquent dans nos vies.
Et tout ça avec beaucoup de poésie. Il y a eu on a rencontré un personnage qui avait des problèmes de relation avec son papa. Et qui, enfin, ça parle à tellement de choses que nous on connaît en tant qu'adultes, que ça nous est touché ou pas. Hein. Mais je trouve ça magnifique. Et la relation de ce renard avec cette petite taupe qui, oui, son ami, mais il fait des sacrifices pour lui. Il est d'une générosité et d'une patience. C'est juste un ami, je veux dire, c'est pas son frère de sang, quoi. C'est un truc que certaines personnes ne font même pas avec leur propre famille. Et c'est vraiment magnifique. Les descriptions de la forêt sont très bien faites. C'est un livre enfant, donc du coup, il y a juste ce qu'il faut de description. Si vous connaissez mon problème avec les descriptions, hein, voilà. Bien sûr, j'ai eu la dernière page. Voir le dernier chapitre, parce que je suis moi, je ne vous dirai pas bien sûr, mais c'est magnifique. À la fin, on a un carnet de croquis avec des esquisses pour les choix des personnages. C'est vraiment. Et c'est donc un tome 1, il y aura un tome 2, c'est écrit à la fin. Ça, je ne spoile rien du tout en vous le disant, mais voilà, c'est magnifique. Donc si vous avez l'occasion de le trouver ou de l'emprunter, allez-y et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, moi j'apprécie énormément. Je lis toujours Anne de Green Gables, mais comme j'ai toujours pas le tome 3 et que j'ai... Ouais, il me reste 30-40 pages. Je lis un chapitre par-ci par-là, mais moi j'y vais pas beaucoup plus loin parce que sinon je vais être en manque. Et voilà, donc du coup celui-ci par contre je l'ai dévoré, je sais que le tome 3 n'apparaîtra pas avant 2023, je crois que c'est novembre 2023 donc on a le temps, le tome 2 pardon, mais voilà, je le dévore et ça me fait bien plaisir, c'est magnifique. Et chaque personnage, chaque animal a son expression et c'est vraiment bien fait. Voilà, et bien écoutez, sur cette petite critique littéraire de derrière les fagots, je vous abandonne. Je vais aller monter mon vlogtober, le mettre en place et puis monter aussi du coup ce vlog. Maintenant c'est décidé, je vais vous le mettre pour ce soir, tant pis s'il n'arrive plus tard et si je mets deux vidéos en même temps. Je sais que les audiences, mais les personnes ne sont pas forcément intéressées par les deux, donc au pire vous verrez ma face plus longtemps, c'est pas très grave. Voilà, ne vous inquiétez pas, du coup, je continue les vlogs. Hein, vous reverrez mon vlog comme d'habitude dimanche prochain. Et petit spoiler pour la semaine prochaine, je vais faire un bilan rapide d'octobre. Voilà, parce que c'est un mois. J'ai fait le vlogtober et j'avais envie de revenir un petit peu sur les projets effectués et la masse de projets démarrés aussi. Voilà. J'avais envie, donc lundi, je pense que c'est ce qu'on fera. Voilà, et bien écoutez, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien. Quoi vous dire d'autre? J'ai dit ça, filez bien, j'ai dit, bon, je vous dis toujours. Enfin, vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts, de toute façon, hein, vous lisez aussi si vous avez envie, vous faites bien, voilà, ce que vous voulez. L'important, c'est de prendre soin de soi, de prendre soin des siens, et de prendre soin de sa santé mentale. C'est important, cette période-là, où la nuit arrive plus tôt. Faut faire attention à prendre soin de soi et se réserver des moments pour soi, pour supporter cette obscurité alentour. Voilà. Donc nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et puis, c'est tout. À très vite, hein, bye bye.